Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un unboxing du site Scrap Malin. Donc j'ai passé une petite commande pour un album de mariage. Donc je l'ai reçu, donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Et si jamais le tuto de l'album vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc c'est parti. Donc, pour commencer, j'ai commandé deux poudres à embosser de la marque Easink. Enfin, la marque Aladdin, pardon. Donc j'ai commandé la couleur. Alors, attendez, parce que c'est pas écrit en français. Mais j'ai les. Donc j'ai pris une couleur blanche et une couleur rouge. Voilà. Ensuite, j'ai pris deux embosses dual pen comme ceci. Donc pour embosser des écritures ou quelque chose comme ça. Ensuite, donc là on rentre dans les papiers, tampons et tout le reste. Donc là j'ai pris ce set de dies là, de la marque Eco Park, de la collection Just Weeding, il me semble. Donc il n'y avait plus les tampons, mais bon j'ai quand même commandé les dies. Voilà. Ensuite j'ai commandé deux lots de die cut. Donc on a celui-ci, donc toujours la même collection d'Eco Park Just Weeding. Donc il y a ceci à l'intérieur. Et j'ai pris celui-ci avec ceci à l'intérieur. Voilà. Et ensuite j'ai pris un set de tampons de la marque Florilège Design. Et la collection c'est Notre Mariage. Voilà, donc toujours pour l'album que je dois réaliser. Et ensuite ce sont que des papiers. Donc j'ai commandé 10 papiers de couleur blanche. Donc la marque, je sais pas si je l'ai, c'est Basile. Voilà, donc 30 par 30. J'ai pas le grammage, mais je crois que c'est du 180 ou quelque chose comme ça. Ensuite, toujours de la même marque, j'ai commandé un lot de V-Fight rouge. Voilà, donc toujours 30 par 30, de la même marque. Ensuite, dans la marque, dans la collection Eco Park, je vais vous montrer. Donc j'ai commandé celle-là, feuille 30-30. Ensuite, j'ai commandé celle-ci. Voilà. Donc, bon, le dos est comme ça, mais c'est juste pour les Project Life que je l'ai commandé. Ensuite, j'ai pris celui-là. Voilà. Ensuite, donc j'en ai pris plusieurs exemplaires à chaque fois si je veux utiliser le verso ou quoi. Ensuite j'ai commandé donc celle-ci. Sur la voiture il y a marqué Just Married, donc vive les mariés, je crois, ça veut dire. Donc, le dos il est comme ceci. Ensuite, j'ai commandé celui-ci. Donc celui-là, il est magnifique vraiment. Ensuite, j'ai commandé celui-ci. Je ne vous ai pas montré le dos, pardon. Voilà. Ensuite, j'ai commandé celui-ci. Voilà. Ensuite, celui-là. C'est ce qu'il y a derrière qui m'intéresse le plus. Donc, des cartes de Project Life. Donc, ils sont vraiment magnifiques ces papiers de cette collection. Je ne connaissais pas cette marque, c'est quelqu'un qui me l'a conseillé. Voilà. Et le dos est comme ceci. Donc, j'ai presque fini. Ensuite, j'ai commandé celui-ci. Voilà. Et le dernier. Celui-ci.
Là, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et voilà. Donc j'espère que ce haul unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir la création de l'album en tuto, que je vous montre comment je procède et comment il va être. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !